mardi et le vendredi. Oui, pour la boutique alimentaire. Alors, quel est le but des jardins de solidarité partage? Le but, c'est déjà de faire travailler des personnes pour aussi les remettre dans la vie active. Et puis sinon, on fait une production qui est destinée aux gens qui sont dans le besoin à Tournus et les environs. Bon. La boutique est ouverte le mardi après-midi et le vendredi matin. Nous découvrons actuellement l'association Solidarité Partage. Alors vous faites quoi là? Alors on recouvre le tunnel. Vous l'attachez complètement? Oui. Vu que les matins sont frais maintenant. Ah. Et puis une poignée de carottes et puis une dizaine de poireaux. Ouais, hein, avec Marcel. D'accord? Qui peut aller chercher des produits? Entre autres les gens qui sont dans le besoin, donc à qui on fournit une carte qui est valable, je sais pas, il y a une certaine somme sur cette carte et ils viennent chercher des légumes entre autres et puis des boîtes de conserve, des produits alimentaires. Donc là comme ce matin on est allé à Chalon à ce qu'on appelle la banque alimentaire qui nous donne justement des boîtes de conserve. Oui, des bottes qui ont à peu près toute la une même bonne bosse, poignée. Donc aujourd'hui, vous allez ramasser quoi? À part les radis. Les radis, je sais pas, des poireaux probablement. Des poireaux et puis des carottes. Des poireaux et des carottes. Ouais. Il reste plus grand chose. Non, il reste plus grand chose. C'est vraiment la fin du jardin. Ouais. Alors là c'est pareil, ils sont mis par botte. Par un certain nombre, vous en mettez. Voilà. Ouais. Si, c'est suivant ce que la boutique a besoin. Ouais. Bon ben ça. C'est pour les légumes.
Alors, il y en a combien qui travaillent en tout au jardin? Normalement, j'en ai 4 ici et une au jardin tournu, donc aujourd'hui, il manque quelqu'un. Vous avez voulu l'interroger, mais il y a longtemps. Mmh. Il appartient à Solidarité. Solidarité Partage, c'est les locaux de la ville. Mmh. Ici. Ah oui, ça, c'est les locaux de la ville. Oui, qui nous prête. Bon, c'est nous qui payons, l'association qui paye tous les frais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça marche 20 heures par semaine, hein, pour ne pas plein temps. Pour le moment, j'ai 3 contrats 16. Normalement, on doit en avoir 4. Il y en a un qui est en arrêt. On a un service de location de cyclo, hein, qui roule pratiquement toute l'année. On a 8 cyclos en location. Là, c'est la période des vendanges. Et ils sont presque tous partis. Voilà. Mmh. Voilà. Il y a des travailleurs qui n'ont pas de moyens de locomotion. Oui. Donc c'est voilà. Surtout votre but. Quoi. C'est le but, c'est de, oui, et de dépanner surtout leurs cyclos ou leurs vélos. Ils viennent les faire eux-mêmes, on les aide et puis voilà. Il y a pas mal de collégiens aussi qui viennent bricoler. Hein. Et puis des autres gens, des jeunes gens, ou tout un public. Voilà. Alors, le mobilier. Oui, on récupère du mobilier du matériel ménager, hein, des cuisinières, des frigos, des trucs comme ça qu'on retape et qu'on met dans nos appartements, les appartements qui sont à l'association, qu'on donc, loue, qui gens, sont tous situés au Sept-Fontaines maintenant. Les gens qui ont des vieux appareils ménagers, les donnent, voilà. Ils peuvent vous les donner. Voilà, voilà. On fonctionne aussi avec accueil et entraide, avec monsieur Vernet qui s'en occupe. Monsieur Chauveau avant, quoi. Et puis voilà, on récupère un peu de matériel, on retape et puis on met ça dans les appartements. Literie, vaisselle, aussi on récupère. Ah, je fais comme ça. Petit vélo pour la halte garderie, pour l'école Charles d'Art, on a retapé un peu leur petit vélo, quoi. Pour les enfants, juste avant la rentrée, là. Puis on en a encore 2-3 qu'on va finir. Voilà. Bon, alors Catherine, tu es présidente de l'association Solidarité Partage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est votre travail, quel est votre but? Oui. D'abord, je suis présidente depuis pas très très longtemps, depuis le dernier conseil, la dernière assemblée générale qui date de 2001. C'est avec plaisir que j'ai repris la fonction de présidente. Alors, quelques petits renseignements concernant l'association. Sa création, elle est de date de 1990. Elle a pris le relais d'une cellule d'urgence qui avait été mise en place en 84. Pourquoi 84? C'était l'époque de l'hiver qui a été rude en 84 et une montée du chômage. L'association Solidarité Partage, dans sa dénomination, avec les deux mots qui sont les deux mots forts, solidarité et partage, représente les actions et les projets de notre association. L'association ne peut fonctionner que grâce aux subventions qui nous sont attribuées par les différents partenaires, qui sont le Conseil général, l'État, la CAF, la DAS, et les CCAS des différentes communes. Et il y a une petite participation financière des bénéficiaires qui participent financièrement à des activités. Alors, le coût des actions, elle s'est élevée pour l'année 2001, puisque les comptes ne sont pas terminés pour l'année 2002, s'est élevé à 248 394. Pour 2002, ça devrait tourner autour de 300 000 euros. L'association, pour moi, elle représente, on est acteurs, je pense, au sein de la politique sociale de la ville. On est un maillon de la chaîne et on travaille en partenariat assez étroit avec tous les acteurs sociaux qui sont présents sur la ville ou sur à l'extérieur, tels que l'association familiale, l'association accueil entraide, l'association intermédiaire travail et services, avec les CCAS des différentes communes, avec le centre médico-social,
avec le centre social et bien d'autres. Les subventions que l'on reçoit nous permettent de fonctionner. Elles permettent de payer et de rétribuer les permanents qui encadrent les différents ateliers d'insertion. Nous avons 4 permanents. On a un emploi jeune et aussi 16 personnes qui sont en contrat emploi solidarité et qui sont dans les différents ateliers d'insertion. Et vous êtes dans ces locaux depuis combien de temps ? Vous avez toujours été là ? Non, nous avons été à la maison Chanet et depuis 4 ans, depuis 5 ans, nous sommes place de l'Esplanade, ou je ne sais pas quelle est la dénomination de la rue, mais depuis 5 ans. Et ici, c'est un lieu d'accueil qui est permanent et je pense que le travail qui est fait par Martine et par Célia, qui sont pratiquement en permanence dans les locaux, c'est surtout un lieu d'accueil et qui est très très important. Vous accueillez à peu près en moyenne 10 à 12 personnes par jour pour différentes demandes. Ça peut être des demandes vis-à-vis de l'hébergement, des demandes en direction d'une aide vestimentaire, d'une aide alimentaire, pour remplir des papiers. Mais je pense que ce premier contact est très très important. Il faut que les gens se sentent écoutés. Et souvent, ce sont des gens qui sont dans la solitude. Donc, ils viennent vers Martine ou vers Célia et on s'aperçoit que des fois, c'est seulement pour eux, pour dialoguer. Donc, vous avez un rôle social extrêmement important. Très important et qui commence. On est une plateforme par rapport aux autres structures. Pour moi, je pense qu'on sert de pont, c'est-à-dire qu'on peut les diriger vers différents emplois, on peut les diriger vers les différentes administrations. On est là pour les accompagner. Et j'attache beaucoup d'importance à notre rôle d'insertion, et aussi bien par les différents ateliers, au niveau de l'atelier jardin, atelier mobilette et réparation des meubles, pour montrer que les gens sont aussi capables de faire quelque chose. Et que ça peut être un tremplin pour plus tard. Et on les aide au niveau de la formation, etc. Le rôle principal, c'est l'insertion aussi.